SAS est une société qui a pour but de fabriquer des produits réfractaires pour l'industrie, avec une diversité relativement forte, car nous avons à peu près 5000 références. Donc on a changé un robot KUKA d'ancienne génération, qui était obsolète, avec une nouvelle génération. Le but du jeu, c'était d'améliorer la flexibilité de nos programmes de palettisation sur wagon. Aujourd'hui, le logiciel me permet de palettiser mes briques sur les wagons. Il va les récupérer sur le convoyeur sortie presse et déposer les pièces sur wagon. Grâce à FlexPal, c'est moi qui fais les plans de palettisation et qui peut les améliorer en fonction de la demande de la production. Chaque opérateur des presses automatiques est autonome à la création et au lancement des programmes FlexPal. C'est un programme qui est assez ergonomique, qui est assez intuitif. On a un souci de positionnement, on est capable de reprendre le programme très facilement. J'ai un service SAV qui se trouve sur Lyon, donc c'est dans la région. Et le service me répond en une demi-heure si moi je n'arrive pas à répondre aux contraintes du robot. On s'économise entre 1,5 tonne et 2,3 tonnes de produits à porter sur le wagon à la main. Donc avec des wagons qui sont à une hauteur de 1 mètre, porter des produits à 1,80 m. Donc on y gagne en TMS, on y gagne en confort, on y gagne en fatigue. Nos opérateurs sont vraiment sur de la technique, de la mécanique et pas du tout sur de la manutention pure et dure. L'équipe KUKA a toujours répondu présent, d'autant plus que c'est la première génération de ce programme. C'est important d'avoir une équipe derrière qui soit capable de le faire évoluer. On peut développer, améliorer dans le futur nos programmes de manière à être encore de plus en plus performants. On n'avait pas trop droit à l'erreur, c'était un succès. Nous sommes très contents maintenant de l'évolution et de l'utilisation que nous faisons de ce système robotisé. C'est une dynamique de le continuer pour améliorer les conditions de travail et puis aussi continuer à être attractif au niveau de nos employés.